L'aube frémissait et le soleil semblait briller pour lui tout seul. Et dans la faible clarté orangée, il se tenait droit et fier. Et n'importe qui aurait pu le confondre avec un dieu de la Rome antique ou un empereur. Du haut de son territoire, il regardait la ville qu'il avait juré de regarder tous les matins. Vous pouvez deviner, rien qu'à le voir dans cette position, qu'il s'apprêtait à vivre une nouvelle aventure de super-héros survolté. Hein? Oui, on peut pas voir. Oh non, encore un petit peu. Avant tout, faut que je me prépare une tasse de café. Bonjour Arthur, tu es déjà réveillé? La journée s'annonce formidable. Eh d'accord, j'arrive tout de suite, j'arrive, on peut y aller ça. Non, on ne fait pas de ronde ce matin, prends ton temps, c'est notre jour de congé aujourd'hui. On va en profiter pour prendre un peu de bon temps et se reposer les neurones. On va aller faire un tour à la grotte aux dinosaures. Regarde-moi ce prospectus, 5 visites guidées par jour. Venez admirer notre équipe de scientifiques et d'archéologues pendant qu'ils découvrent des squelettes de dinosaures. Aïe. De vrais squelettes de dinosaures. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu vas peut-être apprendre quelque chose, mon grand. Et si ça peut te faire plaisir, je veux bien y aller du moment qu'on rentre avant 6 heures. J'aime pas faire attendre ma sœur. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais la sœur. Oui, c'est ça, voilà. Elle n'approuve toujours pas mon nouveau choix de carrière et la couleur de mon costume. Alors je l'ai invitée à dîner pour lui prouver que je n'ai pas changé, que je suis toujours aussi adorable qu'avant. Les valeurs familiales. Il n'y a rien de tel pour vous former un super-héros. Oui, alors je t'en supplie, ce soir je compte sur toi pour te tenir tranquille. Aucun problème, mon grand, je vais être discret. Vous ne me verrez même pas, je me ferai tout petit. Ça va pas être facile. Comme vous le savez sûrement déjà, ces reptiles géants ont peuplé la Terre pendant des millénaires. Ils n'étaient pas très malins, mais leur taille compensait leur manque d'intelligence. Et voilà, la visite est maintenant terminée. Je vous rappelle que mon nom est Nel, et en tant que chef de l'équipe de paléontologie de la grotte, je voudrais tous vous remercier d'être venus nous voir. Vous pourrez trouver des petits aliments en plastique, des t-shirts dans notre boutique de sous-vêtements. On y va! Doucement, petit! Mais c'est un vrai plaisir de voir des super-héros s'intéresser à l'archéologie. D'habitude, on ne les voit jamais ici. Vous avez été un guide captivant, Nel. Je ne pensais pas que j'apprendrais autant de choses en une heure. Tu parles. Vous n'insinuez tout de même pas que je... Professeur, regardez, on a trouvé un fémur. Un potasaurus, magnifiquement préservé. Juste ce que je cherchais. Vous vous intéressez à la science? Eh bien, venez, suivez-moi. Je vais vous apprendre quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres. Je suis persuadé qu'on peut fabriquer un dinosaure à partir de ces fossiles. Ça m'étonnerait, à moins que vous ne soyez magicien. Et pourtant, je suis certain de pouvoir y arriver. J'ai volé l'idée dans un film, cette machine reproduit du tissu synthétique à partir de l'ADN fossilisé. Oh, pas mal. Regardez, voilà un peu de tissu musculaire produit par ma machine. Pour le conserver, je dois le tremper dans de l'acide acétylsalicylique. C'est le seul moyen pour empêcher les cellules de se reproduire indéfiniment. Je devrais avoir un animal prêt à fonctionner normalement dans une quinzaine de jours à peu près. Erreur fatale, Nel. Ah, c'est pas grave, je me sens en pleine forme. Vous devez vraiment partir? Oh, c'est dommage. Vous allez rater le feu d'artifice et la parade des animaux du Jurassique. Des feux d'artifice? Une parade? J'adore! On aimerait bien rester avec vous encore un peu, Nel, mais on nous attend. Super Zéro, je dois préparer le dîner pour ma sœur. On est en retard. Ah, la sœur. Et revenez vite! Mes mains, elles sont trop grandes. J'y arrive pas. J'y
n'arrive pas à ouvrir le flacon. Je ne peux plus rien faire avec ces griffes. J'en ai assez. Ça y est. Les fettuccini sont prêts. La sauce est là. Tiens, excuse-moi, je veux une gousse d'ail. Aïe, 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 ça sent pas bon, ça. Oh, la voilà. Enlève tout de suite le t-shirt, vite. Oh, Dottie, bonsoir. Tu te souviens de Super-Héros? Oui, je me souviens très bien de lui, bonsoir. Oh, Dottie, tu es de plus en plus belle chaque jour. Tes cheveux ressemblent à des algues brunes échouées sur le sable brûlant. Tu as changé de coiffure, c'est ça, hein? Non, je les ai juste lavés. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous avez l'air d'avoir grossi tout à coup. Mon petit Arthur, ce plat est délicieux. Je suis contente de voir que tu as le temps de faire la cuisine. Merci, c'est gentil. C'est le pouls qui a secoué la salade. Exact. J'ai cru que je n'y arriverais jamais. Tu devrais venir habiter chez moi pendant quelques jours. Quelle horreur! Cette chose utilise des mots anciens qui n'ont pas été prononcés sur cette terre depuis 4000 ans. Nous devons malheureusement interrompre notre programme pour diffuser un flash spécial d'information. Bonsoir, ici la situation est grave. Tous les commissariats de police sont en alerte. Le professeur Nell, célèbre paléontologue et guide à la grotte des dinosaures, mesure maintenant 15 mètres et sème la panique dans le centre-ville. Nous sommes toujours dans la rue principale et le professeur Nell ne s'est pas calmé. Comme vous le voyez, il continue à grandir. Nous avons demandé à l'un de nos plus fameux super-héros de se joindre à nous ce soir. Bonsoir, Sally. Super sourire dégonflé, pouvez-vous nous dire ce que vous avez l'intention de faire pour empêcher ce monstre de détruire la ville? Bonne question, Sally. Je crois que je vais juste... me mettre à l'abri et attendre tranquillement l'arrivée de l'armée. Ah, au fait... Vous avez prévenu les pompiers. Oh, c'est une mission pour le pou. Ils ont besoin de moi. Non, assieds-toi, super zéro. Non, qu'est-ce que. Ce gâteau est délicieux. Il est à quoi? Au chocolat. Soyez gentils, quittez la ville. Nous avons demandé à une équipe de scientifiques, enfin, je veux vous aider, enfin, de vous rapporter un pantalon à votre taille, vous voyez ce que je veux dire? Ce pantalon va faire un malheur. Il va sûrement figurer en bonne place dans le livre des records, on va être célèbre. On peut pas dire qu'il saccage tout sur son passage. L'armée ne veut pas se déplacer tant qu'il ne menace pas la sécurité des habitants de ces immeubles. Finalement, je crois que vous devriez vous déplacer. Désolé, Dottie. Pourquoi? Allez, on y va. Allez, vite! Oh, enfin, je te retrouve, partenaire. En route! Je te préviens, Arthur, si tu pars, je refuse de faire la vaisselle. Il faut lui barrer la route. Si on essayait d'abord de le raisonner. Coucou, professeur. C'est nous. Qu'est-ce qui vous prend, professeur? Oh,
Ah oui, oui, je vois, oui. Il va falloir trouver une autre solution. De l'acide acétylsalicylique. Attends, écoute-moi, Super Zéro, j'ai une meilleure idée. Ah. Ah, au secours, je suis coincé. Dans la moustache d'un dinosaure. Oh là, ne t'inquiète pas, je suis là. Voilà. Arthur. Je suis quoi, le poil, ce poil géant. Arthur, coupe ce poil géant et dégage-toi. Où il est maintenant? Oui. Super héros, j'ai une idée géniale, tu m'écoutes? La mienne n'a pas du tout fonctionné. La tienne, c'est quoi? Eh bien voilà, rappelle-toi, ce matin le professeur nous a dit qu'il devait conserver les tissus synthétiques du dinosaure dans une solution d'acide acétylsalicylique pour l'empêcher de se reproduire indéfiniment. Ah oui, peut-être. Mais si, et l'acide acétylsalicylique, c'est de l'aspirine. On n'a qu'à lui faire avaler une super méga extra dose d'aspirine, avec un peu de chance, il retrouvera son aspect normal. Pourquoi pas, ça ne coûte rien d'essayer. Voyons voir. D'habitude, on recommande à un adulte de taille moyenne de prendre 2 aspirines. Bien, combien pèse votre pauvre copain, déjà? Eh bien, à peu près 290 tonnes. Et il continue à grossir. Oh, je vois. Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Tu crois que ta sœur est furieuse contre toi? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra bien qu'elle comprenne un jour que ma vie ne regarde personne d'autre que moi. Des avions de l'armée? Ah, la ville pourrait bien avoir besoin de l'homme canon. Feu à volonté! Et voilà, messieurs, ça devrait suffire. Général, attendez! On a l'antidote! On a juste besoin de 5 petites minutes. Que pourriez-vous faire en 5 minutes, misérable civil? Je suis un super-héros, Général. Il faut simplement lui faire avaler de l'aspirine. Reviens ici! Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a bien 2000 ans de cela, on faisait infuser des feuilles de saule blanche pour soigner les crises de gouttes. Aujourd'hui, un remède fabriqué à partir du même produit chimique, l'aspirine, est en fait le médicament le plus utilisé dans le monde entier. Mais l'aspirine, comme tout médicament, ne doit pas être pris n'importe comment. Ce n'est pas un bonbon et les enfants ne doivent pas en prendre. Sans avertir, bien sûr, leurs parents ou un médecin. Une armoire à pharmacie n'a rien à voir avec le comptoir d'une confiserie. Entièrement d'accord, mon petit. Arthur, tu viens? Comment va-t-on lui faire avaler cette gélule? Tu as une idée à suggérer? Attention, il va te manger! Quoi? Hein, c'est d'en haut? Oh non! Ton ami va finir sa carrière dans un estomac. Très bien, les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? On joue! Non, s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Super Zéro est invulnérable. Ne vous fiez pas à ce que je viens de dire. Il est vivant, enfin j'espère.
Je vous défends, vous m'entendez, de mâchouiller ma pauvre tête. Nail. Ah, oh, qu'est-ce que... Mais ça va pas, non? Hop. Ah, oh, allez, viens. Ah, ah, tiens, ah, tiens, pas ça. Ah. En plein dans le mille. Ah, ça va, j'ai rien. Oh. 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 Non, mais c'est pas vrai. Oh. Cette langue n'est pas étrangère. Nous sommes toujours dans le centre-ville et le professionnel n'a pas encore repris son apparence normale. L'armée quadrille le quartier. Aucun coup n'a été tiré. Apparemment, l'un de nos plus célèbres super-héros, le Pou, aussi surnommé Super Zéro, a réussi à s'introduire à l'intérieur de la gorge du professeur avec un énorme cachet d'aspirine. On ne sait pas encore si sa tentative désespérée réussira à calmer le professeur. Super Zéro a pour une fois démontré sa bravoure et son dévouement en prenant le risque de sacrifier sa vie. Pourtant, le porte-parole des super-héros nous a dit, je cite, « Ne comptez pas sur lui pour vous sauver. Restez bien tranquillement chez vous et laissez faire les militaires. » Ils vont encore passer pour des poules mouillées, dites-donc. Il y a quelques minutes, j'ai réussi à interviewer le pharmacien qui a accepté de préparer la gigantesque gélule d'aspirine que le professeur a ingérée. En voici un extrait. Ça, c'est un drôle de cachet. Oui, on peut dire cela, effectivement. J'imagine que c'est la première fois que vous videz vos réserves pour un malade? Oui, en effet, mais on m'a déjà demandé un suppositoire plus gros que la moyenne. Et qui était le malade? Oh, c'était Barnabé, l'hippopotame du zoo voisin. Merci beaucoup. C'était Sid, le pharmacien. Attirez-le vers le pantalon géant! Attirez-le vers le pantalon géant! Oh non! Pas ça! Pas mon pantalon! Un profond silence règne toujours dans la galerie marchande du centre-ville alors que nous attendons tous impatiemment des nouvelles de Super Zéro qui n'a toujours pas réapparu. Oh, je ne te lâche plus! Ah! Ah! Oh! Ouvrez les écouteurs. Je suis sincèrement désolé. Votre copain est mort pour la patrie, Lars. Oh non, c'est pas possible. Très bien, les enfants. Vous êtes prêts? On y retourne. Il est vivant. Oh, je le savais. Oh, je suis si contente de te revoir. Oh, ça poisse et ça sent mauvais. J'en ai bavé, mais lui aussi. Dis-moi la vérité. Quand tu étais... quand tu étais dans ma bouche et que tu te battais avec ma langue, qu'as-tu ressenti exactement? C'était extra, professeur. Vraiment extra. Même si c'est de la routine pour des super-héros comme nous. En tout cas, tu m'as sauvé la vie. Oh, ne me remerciez pas. C'est plutôt Arthur, le génie. C'est lui qui a eu l'idée de l'aspirine. Excuse-moi, Arthur, j'ai été injuste envers toi. Vous avez tous les deux sauvé la vie du professionnel et des habitants de cette ville. Pas question que je fasse la vaisselle pour autant. Oh, je suis bien content d'avoir retrouvé mon apparence normale. Et voilà encore une aventure qui se termine bien. On sait maintenant que la science a deux visages. L'un est plutôt positif,
Il nous a donné l'aspirine et d'autres médicaments indispensables. Mais l'autre visage est plutôt négatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Fais bien attention au revers de la médaille, mon petit Arthur. Il peut mordre. Et surtout, il peut te gâcher une journée qui s'annonçait formidable.